Alors, je vais vous parler des définitions de l'ingénierie écologique euh, mais avant tout je vais essayer de replacer cette démarche de l'ingénierie écologique dans l'histoire des idées en, en écologie appliquée alors cette histoire a commencé dès les années 60 avec euh, une approche euh, de la nature pour elle-même on, on prête une valeur intrinsèque à la nature et on cherche à conserver des espèces leur naturalité en instaurant des zones protégées dans un deuxième temps, on s'intéresse à la nature malgré l'humain car euh, les activités humaines sont responsables de surexploitation des ressources, euh, de pollution, de disparition des habitats et euh, on se base sur euh, la gestion euh, des ressources naturelles et euh, la biologie des populations pour euh, résoudre ces problèmes. À partir des années 2000 et avec le Millennium Ecosystem Assessment, euh, ce sont plutôt les concepts d'écosystème et de services écosystémiques qui viennent euh, au premier plan. Euh, avec euh, certaines tentatives d'évaluer euh, la valeur monétaire de, de ces services écosystémiques. Et puis plus récemment, euh, c'est plutôt une démarche interdisciplinaire euh, basée sur les sciences participatives qui s'impose pour euh, essayer d'adapter les socio-écosystèmes euh, aux perturbations de l'environnement euh, en favorisant la résilience et l'adaptabilité des sociétés. Alors dans ce cadre, l'ingénierie écologique émane plutôt de ce troisième temps basé sur les écosystèmes et les services écosystémiques. Et cette ingénierie écologique se base sur l'écologie scientifique qui cherche à comprendre la structure et le fonctionnement de la nature, et également sur l'ingénierie qui cherche à concevoir des solutions à des problèmes sous contrainte. Le premier à utiliser le terme ingénierie écologique, c'est Howard O'Doom en 1962. Et il définit l'ingénierie écologique comme les cas où l'énergie fournie par les humains et leurs technologies est faible comparativement aux sources d'énergie naturelles, mais cependant euh, permet d'avoir des effets importants sur les processus et les patrons qui découlent de, des activités d'ingénierie. Puis, dans un deuxième temps, il euh, redéfinit plus précisément l'ingénierie écologique. Euh, en tant qu'une science et une pratique euh, qui couple les technologies environnementales avec l'auto-organisation des écosystèmes. Et il fait donc rentrer la technologie dans l'écosystème. Et ainsi on voit que dans un premier temps, dans les années 60, euh, ce qui inquiétait euh, la plupart des auteurs, c'était la dépendance de notre société vis-à-vis -vis des énergies fossiles. Et le, les, la résonance que trouvent ces, ces préoccupations aujourd'hui euh, passe principalement par l'agenda politique qui euh, s'intéresse à la lutte contre les changements climatiques et à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Euh, un auteur qui s'appelle Berryman propose de diviser euh, l'ingénierie écologique en trois sous-domaines. L'écothermodynamique qui s'appuie sur l'écologie des écosystèmes et qui va chercher à gérer des problèmes de déchets, de pollution. Et à euh, permettre des économies d'énergie, d'eau et de matériaux. Une deuxième sous-discipline, l'écodynamique, est plutôt basée sur la dynamique des populations et l'écologie des communautés et trouve des applications en biologie de la conservation, en lutte biologique et en gestion intégrée des cultures euh, en agroécologie, par exemple. Et puis, une troisième sous-discipline, qu'on peut appeler l'écodesign, est plutôt basée sur une approche spatiale du paysage, euh, donc l'écologie du paysage et cherche en fait euh, des, à proposer des solutions d'aménagement du territoire en mettant en place notamment des corridors écologiques. Alors je pourrais vous lister euh, des dizaines de définitions de l'ingénierie écologique, mais euh, j'ai essayé de trouver euh, ce qui les distingue les unes des autres, et on peut identifier cinq enjeux majeurs qui euh, permettent de comprendre les différentes vues des auteurs. Alors le premier point euh, concerne la place de l'humain dans la nature. certains vont considérer que l'humain fait partie intégrante de la nature et d'autres qu'il est le garant de la nature. Euh, le deuxième point euh, concerne en fait le fait que l'ingénierie écologique puisse être considérée comme un nouveau secteur d'activité qu'on pourrait euh, développer en filière économique comme l'agriculture ou l'industrie automobile. alors que pour d'autres auteurs l'ingénierie écologique c'est plutôt un nouveau mode de conception qui doit permettre de revisiter euh, l'ensemble des approches d'ingénierie. Euh, un troisième point qui fait débat, c'est le fait que l'ingénierie éco écologique concerne euh, des écosystèmes uniquement naturels ou faiblement anthropisés, ou bien qu'elle puisse également être utile dans des écosystèmes artificiels, voire qu'elle puisse servir à créer des écosystèmes, par exemple des milieux urbains ou des stations d'épuration. Enfin, euh, enfin, avant-dernier point, euh, euh, des auteurs s'interrogent sur la pertinence d'inclure une dimension éthique à la définition de l'ingénierie écologique. Par exemple, Mitch et Jorgensen euh, disent que l'ingénierie écologique doit permettre un bénéfice mutuel de l'homme et de la nature, euh, alors que d'autres auteurs, comme au Odum présenté euh, précédemment, se euh, cantonnent à, à une définition purement scientifique enfin on peut s'interroger sur le fait qu'il faille absolument cristalliser cette définition de l'ingénierie écologique pour identifier une communauté scientifique au risque d'exclure euh, d'autres euh, disciplines qui ne sont pas encore concernées ou bien qu'il faille laisser le temps en fait à cette ingénierie écologique pour gagner différents domaines d'activité. avec euh, certains collègues nous considérons qu'il y a trois critères à respecter euh, pour euh, que les, une ingénierie soit réellement écologique. Le premier de ces critères, c'est la mobilisation de processus ou de structures écologiques. Le deuxième de ces critères, c'est d'inscrire les solutions d'ingénierie dans un contexte écosystémique dans lequel on va intégrer les rétroactions de l'action qu'on va avoir sur le milieu. Et puis, le dernier critère, c'est l'optique de durabilité dans laquelle s'inscrit la solution d'ingénierie écologique. Donc si on considère l'ingénierie conventionnelle, eh bien, euh, finalement, elle ne, elle ne répond à aucun de ces critères. Donc elle se trouve au centre du référentiel. Si on considère certains, certains concepts apparentés à l'ingénierie écologique comme le biomimétisme, eh bien, on, finalement, on se rend compte qu'il ne mobilise qu'un seul de ces critères, c'est-à-dire euh, la mobilisation de structures qu'on va trouver euh, dans les écosystèmes. Par exemple, des petits appendices qu'on les graine et qui leur permettent de s'accrocher au pesage des animaux. Euh, en copiant ces petits appendices, on a créé la bande Velcro. Il n'y a à aucun moment il n'y a une optique de durabilité ou l'intégration dans un contexte écosystémique. Euh, vous avez euh, l'ingénierie de l'environnement qui s'interroge sur la durabilité euh, des activités humaines et qui tente de résoudre certains problèmes euh, liés à cette durabilité. Et puis d'autres approches comme la chimie verte qui s'inspire à la fois des matériaux euh, écologiques euh, ou par exemple des matières végétales et qui s'inscrit euh, dans une optique de durabilité des activités humaines. Euh, concernant euh, les énergies renouvelables, eh bien là, on voit que c'est une euh, approche qui s'inscrit euh, sur une analyse de l'énergie euh, et des flux d'énergie dans un écosystème et qui essaie de tirer parti de la spécificité de l'écosystème auquel on a affaire. Et puis, euh, on, on a parfois une prise en compte à la fois du contexte écosystémique et de l'optique de durabilité, avec des approches comme l'écologie industrielle et territoriale, qui cherchent à évaluer euh, des activités humaines ou des produits euh, d'origine humaine, euh, par exemple par l'analyse du cycle de vie. Euh, enfin, euh, l'ingénierie écologique telle qu'elle a été définie par ODUM euh, euh, associe euh, fortement la mobilisation de processus et de structures écologiques et le contexte écosystémique. Euh, on a derrière cette ingénierie écologique euh, des termes comme les nature-based solutions euh, ou l'agroécologie. Euh, et en fait, on peut espérer que se développe à l'avenir euh, une ingénierie écologique et évolutive qui prenne pleinement en considération l'optique de durabilité euh, qui est nécessaire pour euh, que le, les solutions d'ingénierie soient pérennes.